Ok mesdames et messieurs les confinous, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo elle est là pour vous remonter le moral. Allez, mesdames et messieurs, allez, allez, on saute. On active la musique chez soi, bam bam, on saute dans les cours de sport. Traction avant, traction arrière. Salut à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve, attention, on remet l'ambiance, c'est parti. Vous sautez chez vous là, je veux vous voir sauter là. Ah oh, hey, on est à la maison, d'accord, ok, on est en confinement, blablabla. Oh, je m'en fous, début de la vidéo, on commence à sauter, on s'ambiance avec de la musique. La 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 la. Moi, je suis essoufflé là. Hey, on a commencé cette vidéo ou quoi là? Oh, ça va pas ou quoi les gars là? Dans cette vidéo, on va tout simplement faire un concept qui est... Il m'a saoulé en vrai. Tout simplement dans cette vidéo, on va pas aller plus loin, on va pas y aller par quatre chemins, gros. Ah, fucking yeah, yeah, come on. What the fuck. On va aller regarder des yes, yes, no. Non, bah non, c'est pas ça, c'est justement, tu vois, c'est pas ça. On va regarder des no, 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 yes. Et la réaction, bah oui, on est en confinement, donc frérot, je vais pas te sortir une vidéo maison DIY, je crée un train à la gare d'Angers. Tu t'imagines bien, c'est quoi ton problème? On va réagir à des gens qui sont passés à côté de la mort. Ça va pas être en mode négatif, justement, en mode positif. Ils sont passés à côté de la mort, ils sont encore en vie, ils sont... J'espère, parce que sinon, c'est chaud, quoi. Allez, tout de suite, checker la description. Il y a le lien de ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Neoxy TV. C'est ma chaîne best-of des lives que je fais sur Twitch. Donc, si vous ratez les lives sur Twitch, là, vous vous abonnez à cette chaîne. Et en fait, vous avez encore plus de vidéos que sur la chaîne principale. Alors, pourquoi vous y allez pas? Le but, ce serait clairement d'atteindre les 100 000 abonnés. Si on arrive aux 100 000 abonnés, c'est absolument incroyable parce que bah, je pourrais dire, hé, hey, oh, 100 000 abonnés ou quoi? Bref, mise en situation, ça vous est déjà tous arrivé à un moment donné dans votre vie. T'es là, t'es un passage piéton. Oh, une voiture qui traverse hyper vite et elle a failli te toucher. Et t'es en mode, oh. Wow! Bon, t'as compris, ok, on a tous failli crever à un moment donné dans notre vie, bon d'accord. Pour aller voir des compilations comme ça, le site le plus intéressant, c'est Reddit. Je ne suis jamais de ma vie allé sur Reddit, pas une seule fois. Et je n'ai jamais regardé une vidéo sur Reddit. Bah du coup, il y a mon monteur et tout, lui, il s'y connaît déjà un peu mieux. Et je crois qu'il m'a envoyé un lien, il m'a clairement envoyé un lien. Et il m'a dit bon tournage gros, ah putain. Ça tu vois, mais ça c'est un monteur qui te donne la patate. Wouh. Donc du coup en fait nous ce qui nous intéresse, bah le yes 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 no. Attends, Raphaël, je t'envoie un message tout de suite. Je suis en train de tourner là, et donc du coup, pas sur moi-même hein, je tourne une vidéo là. Moi il faut que je regarde quoi? Juste le no 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 yes au final, le yes 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 no, on est d'accord qu'il a rien à voir au final. 14 minutes de tournage. Là le petit Rafifou là, je sais qu'il est en pleurs là. Le mec il est en mode, attends frérot, t'as fait que l'intro en 14 minutes. Ouais, le no 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 yes. Allez c'est bon, vas-y on va commencer la vidéo, let's go. Hein, je pense qu'on a assez rigolé jusqu'ici. On est sur une autoroute avec un avion. Mais attends, mais l'avion il vient en face des véhicules ou quoi là? J'arrive pas à voir. What the fuck? Mais attends, mais il se pose... Mais quoi? Attends, donc là on a clairement un avion qui vient de se poser. Wow! Il se passe trop de trucs, c'est ça le problème en fait. C'est qu'il se passe trop. J'ai vraiment stressé. Hein. Vraiment là, le mec il est avec un petit planeur là. Et il a réussi à se poser sur l'autoroute là. Enfin, c'est l'autoroute clairement ça. Il était dans son planeur, il s'est rendu. Oh putain, tiens, hé, si on pimentait un petit peu la chose là. Moi je veux du freestyle, moi je veux du truc, je veux des points de compétence. Comme dans Tony Hawk's à l'époque là, bam! What the fuck? Attends, mais c'était vraiment pas prévu sa chute là? Attends, déconne pas, mais comment il arrive à se. Attends mais gros, la seule explication, il avait les chaussures à l'époque, tu sais les chaussures Nike où t'avais, t'avais des gros crampons, hein. T'as l'impression que c'était des grosses suspensions. Alors vraiment ça m'est arrivé qu'à moi ça. Moi dans ma tête, j'avais grave l'impression que je sautais beaucoup plus haut. Imaginons normalement je saute à là, bah, avec mes suspensions j'avais clairement l'impression de sauter à là, tu vois. Bon juste on a un gars qui est en bowling et il est pas en bowling, hein. Personne est en bowling d'ailleurs, ça existe pas ça. Il a une balle de bowling et il veut tirer à l'envers, attention comment ça va se passer, je le sens très très mal. Non, déconne pas. What the fuck? Mais gros, mais ça. Il y a une sélection naturelle comme ça, là, où la nature, elle s'est dit, vas-y, on va donner un petit peu de chat à certaines personnes, tu vois. T'as des gens comme ça, ils font des conneries de ouf, et pourtant, bah, ça marche. Genre, tu vois, le gars, il fait ça, bah, ça marche. Attends, mais non, mais sans déconner. Là, il y a clairement un déménagement comme ça, là. Par contre, juste qu'on soit bien d'accord, ça peut pas finir bien, c'est pas possible. Ils ont balancé une armoire du troisième étage. Non, mais attends, mais sans deck. Wow! Oh, comment j'ai bugué! Mais c'est quoi ça? Ah, mais j'ai bugué de ouf! Je pensais vraiment que c'était une armoire, hein. Léopard attaque dogs. Attends, donc là on a un chien qui est clairement chez lui, enfin dans sa maison, et d'où il y a un léopard qui. Ah, d'accord. Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Attends, mais. Mais gros, mais c'est où ça? Attends, mais qu'est-ce qu'ils font?
Attends, waouh. Au tout début, on a le chien qui est posé et tout, il vit sa meilleure vie, il a l'air trop mignon. Et là, il y a clairement un léopard. Gros, mais à quel moment? Il y a un léopard qui surgit comme ça, là. Non, mais sans déconner. Il commence à se battre, mais bon, du coup, avec la qualité de l'image, on sait pas s'il se chamaille ou si vraiment il se bat. Je pense qu'à mon avis, ils étaient en train de se sentir, ou je sais pas. Coup tranquille, ouais, ils sont pas. Bon, bah, ils sont pas fait mal, donc ça va, c'est mignon. Ok, là, ça veut dire qu'il y en a un qui a failli mourir, c'est sûr. Ils prennent des photos, je pense. Oh, what the fuck? Mais gros! Non, attends. Mais attends, mais qu'on reprenne ça, là. Attends, mais vraiment, il était réellement à deux doigts de se charbonner la tête, là. Oh là 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 là! Oh là là là! Mais regarde le pied! Le pied, alors je sais, c'est un peu pixelisé, on dirait Minecraft. Le pied, il est passé comme ça et que la voiture, elle était là, quoi. Alors ça, c'est par contre, c'est incroyable, ça. Ça, je vous jure, c'est des trucs que je n'arrive pas à comprendre. J'ai la même avec mes chats, en fait. T'as des endroits, tu as des grillages, des petites portes, tu te dis, non, mais là, les chats, ils passent pas. Et là, tu vois ton chat qui passe ou ton chien était en mode. Mais attends, pourtant, il y a un truc que je comprends pas. Vraiment, le panneau est quand même beaucoup plus petit que ton corps. Alors, comment t'arrives à faire ça, chien? Ils ont des corps, frérot? T'as l'impression que c'est des élastiques. Je sais pas, c'est un métamorphe, le truc. Ça, je pense que vous l'avez déjà tous vu. Enfin, en tout cas, moi, j'avais déjà vu plusieurs fois. Frérot, elle est horrible pour les yeux. On se la remet. On peut se la remettre 50 fois. Franchement, je serais toujours aussi choqué. En skate, sans déconner. Déjà, bon, à quel moment tu réapparais sur la route comme ça? Tu réapparais. Franchement, gros, j'ai eu l'impression qu'elle était en call-off là. Regarde, ça se voit, sa réaction, comment il stresse. Regarde sa réaction. Regardez. Il met les mains en arrière en mode. Dites-vous que là, normalement, il aurait dû suivre le chemin de sa planche. Bah, heureusement qu'il l'a pas suivi, hein. Oh, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je pense que ça doit être une sorte de. Bah, juste à une corde et ensuite. Oh, bah, attends, c'est chaud ça, what the fuck? Attends, pardon? Mais y a pas plus de sécurité que ça, juste tu tiens la corde comme ça, là. Pour 1000 balles, je le fais pas. Hein. Si c'était pas trop loin du sol avec une corde un peu plus petite, pourquoi pas? Mais là, tu vois que c'est quand même vachement haut, hein. Anecdote. Bah, je suis désolé, mais je vous jure, franchement, il fallait que je le dise. Je parle de ce truc-là, il faut que je le dise. Le saut à l'élastique, il y en a un en France. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est le pont le plus haut d'Europe. C'est le pont de Ponsonnas. Pour mon anniversaire, un jour, on y était allé. Et moi, j'adore les sensations fortes. Je vous cale ça, mais vraiment, moi, dans ma vie, un de mes rêves, si on peut appeler ça un rêve, mais c'est plus une activité rêve, c'est de sauter en parachute. Depuis que je suis tout petit, je veux faire ça. C'est incroyable pour moi. Donc, si jamais il y a des entreprises de parachute, hey, oh les gars, je suis là. Du coup, j'ai sauté par-dessus ce pont. Le staff était incroyable parce qu'en fait, un peu comme à Disneyland dans la tour de la terreur, ils sont là exprès pour, tu sais, te faire des petites vannes et te faire un peu peur, etc. Au moment où t'es là, prêt à sauter comme ça, après que ça soit passé, c'est trop drôle, j'adore, c'est trop cool. Mais sur le moment T, je suis en mode wouah, ferme ta gueule! Et du coup, le gars, il était là, il commençait à m'accrocher, et ensuite il me dit, tu t'appelles comment? Je m'appelle Valentin, c'est mon prénom, Valentin. Est-ce que t'es vaillant, Valentin? Alors, du coup, pour faire le beau gosse devant tout le monde et tout, avec un peu d'humour, je fais, bien sûr que je suis vaillant! Mon gars, il fait, ah, t'es vaillant? Et bah, écoute, si t'es vaillant, Valentin, hop, je te décroche un mousqueton, et il m'avait décroché les deux mousquetons. Bah, écoute, Valentin, si t'es vaillant, saute, regarde, je t'ai décroché les deux mousquetons, saute. Je commence à monter sur les dernières marches finales, tu vois, avant de sauter. Et là, le gars, vraiment, il me regarde, il fait, alors Valentin, bah, je pensais que t'étais vaillant. Vas-y, saute. Là, je commençais un petit peu à regarder ma famille derrière en mode, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai dit que j'étais vaillant, je vais aller au bout de ma blague, tu vois, genre, j'ai dit que j'étais vaillant, donc vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté. Et au moment où j'ai sauté, le mec a fait « Ah, attention !» Et là, putain de sa mère, j'étais en mode « Wow, wow, wow !» Parce que le saut à l'élastique, ça dure pas deux secondes, hein. T'as vraiment une sensation, mais t'es en mode « Wow !» Mais attends, mais what the fuck? Ah oui, en fait, elle a tellement tiré. Je m'en bats les couilles, je suis pas connecté à OneDrive. C'est de la merde. Putain, par contre, c'est abusé en vrai. Ça me donne trop envie d'essayer. Ça va être incroyable de marcher sur l'eau comme ça là. Ah oui, putain, l'encre. Waouh, je la vois. Putain, je pensais pas qu'on la voyait autant. Waouh. Ah ouais, c'est chaud. Attends. Mais tu vas me dire que là, l'encre, elle va réussir à maintenir tout le bateau là. Bah, attends, il va clairement se prendre le ponton là. Putain, c'est abusé, hein. Vraiment, en étant full sérieux, le vent, c'est une des choses de la nature qui m'impressionne le plus. Attends, c'est un taxi qui... Ok, c'est un client du taxi qui jette le... Qui jette un déchet par terre. Et je suppose que le mec du taxi, il va prendre le déchet et il va le foutre dans la gueule. Ah non, je suis sûr, il va la sortir. Oh, waouh. Ah bah, waouh, ça déconne pas. C'est dans quel pays, ça? Waouh, frérot. Ça, c'est un bon taxi, ça. Ah, comment il l'a... Waouh, par contre, il est vénère de ouf, hein. Ah, waouh, bah, gros, il a une dégaine de russe, le gars, là. Ah, je vous jure, non, mais depuis ma vidéo Road Rage russe, là, j'ai un truc avec les russes, hein, les russes méchants, attention, parce que je sais qu'il y a peut-être des russes qui regardent la vidéo, enfin, d'origine russe, vous êtes gentils, vous. La dégaine qu'il a, alors, elle a vraiment une dégaine, oh, tu vas faire quoi? Oh. Le ballon de plage voulait sortir et la porte moustiquaire le savait. Ah oui, c'est parce qu'il y a le ballon qui... Ah, par contre, ça c'est incroyable en vrai. C'est incroyable. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est le gars qui a la caméra chez lui et qui, du coup, s'est vraiment fait chier à regarder la vidéo et à vraiment être tombé là-dessus en mode. Oh putain, chérie, viens voir. Chérie, regarde, t'as vu le ballon là? Regarde le move qu'il a fait. Incroyable. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. En vrai, c'était vraiment cool. Et puis surtout, j'ai découvert Reddit avec vous. C'est incroyable ça. C'est la fin de cette vidéo. Attention, je le répète, allez vous abonner dans la description à ma chaîne NeoxyTV. Vous pouvez direct enchaîner sur d'autres vidéos que vous n'avez pas vues sur cette chaîne. Et donc, du coup, bah, par la
même occasion, allez me follow sur Twitch. C'était Neoxy, j'espère que votre confinement se passe toujours aussi bien qu'au début, que vous faites pas chier, que ça devient pas redondant. Mesdames et messieurs, on va finir cette vidéo avec encore une fois un max de dynamisme. Allez hop, on saute encore et on remet la musique. Mesdames et messieurs, c'était Neoxy et on se dit à plus pour une prochaine vidéo.